Très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau sec, escargot, vanille, chocolat. Sincèrement, c'est un gâteau présentable, très beau et le goût est agréable. Sans tarder, suivez-moi en cuisine. Alors, on aura besoin de 5 œufs avec une pincée de sel, un sachet et demi de la levure chimique, équivalent de 16 g, un verre moins un doigt de sucre, un verre d'huile, poudre de vanille, 2 cuillères à soupe de cacao amer et de la farine. Alors, pour commencer, on met le sucre sur les œufs et on commence à mélanger. Comme je dis à chaque fois, vous pouvez utiliser le batteur, bien sûr. Parce qu'en fait, il faut bien faire monter les œufs avec le sucre. Et voilà, regardez, il faut que les œufs et le sucre doublent de volume. À ce moment-là, on commence à rajouter l'huile peu à peu et on mélange en même temps. Et puis on commence à rajouter la farine. Pour la farine, je vais en fait vous dire, ça dépend de combien ça va nous prendre, vu qu'on va partager la pâte en deux. Voilà. Je rajoute peu à peu. Je vais vous dire à la fin combien ça nous a pris. Et là, je vais rajouter un sachet et demi de la levure chimique, équivalent de 16 g. Et là, je commence à travailler avec la main. Je
collante. Regardez-moi ça, elle doit être comme ça en fait. À ce moment-là, je vais la partager en deux. Je vais prendre un autre saladier et je partage la pâte en deux. Je vais la garder pour l'entrée et pour celle-là, je vais commencer à rajouter le cacao pour la rendre foncée. Rajouter peu à peu. Voilà. Et voilà la pâte que vous devez avoir. Moi, après les 2 cuillères à soupe de cacao, j'ai rajouté aussi 2 cuillères à soupe de farine. Regardez-moi ça, elle n'est pas dure, elle est en fait moelleuse. Voilà, je vais la laisser de côté et je vais faire pareil pour celle-là. Je vais la rajouter la farine. Et voilà, mes 2 pâtes, ils sont prêtes. La noire et la blanche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre un papier cuisson. Je vais le poser sur la table. Et je commence à ouvrir la pâte noire. Parce qu'en fait, c'est celle-là que je vais la déplacer après. Avec le rouleau, j'essaie d'avoir la forme d'un rectangle. La laisser épaisse vu qu'elle contient la levure déjà, et de 2 pour qu'elle va me donner un très bon design. Et voilà, après avoir ouvré tout ma pâte, je vais la mettre de côté et je vais faire pareil avec la deuxième, sauf celle-là, je peux l'ouvrir directement sur la table, il n'y a pas de souci. J'essaie de lui donner la même forme que la première. Et voilà,
après avoir aussi ouvert la deuxième pâte, je vais prendre la première. Voilà. Et la mettre sur la deuxième. Le papier cuisson et essayer d'arranger une sur l'autre. Et on va bien appuyer par-dessus pour les deux pattes se collent. Après cette étape-là, on va commencer à rouler par ce côté-là. Voilà. Tout doucement. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Après, je vais prendre un plateau comme ça qui passe au four et je vais couper en deux. Et je vais placer ça dans le plateau. Je vais arranger encore ici la deuxième.
Voilà. Bien sûr, le four il est allumé à 170 degrés et j'ai allumé que le banc. Je vais la placer au four pendant 20 à 25 minutes. Ça dépend en fait, dès que vous voyez qu'elle est bien dorée, c'est-à-dire qu'elle est prête. Puis, on va la récupérer. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, mon gâteau est cuit. Sauf que là, j'étais un petit peu déçue, mais rien n'est grave. Vous faites pas comme moi. Ben, la prochaine fois, si vous avez l'intention de le faire, et même moi si j'ai l'intention de le refaire, il faut utiliser un peu d'eau pour fermer les deux côtés, ou bien blanc d'œuf. Bon, c'est pas raté, il n'y a pas... C'est pas vraiment grave, mais bon, j'aurais aimé qu'il reste vraiment collé les deux. Mais c'est pas méchant. Alors, pour je vais faire une petite décoration avec vous. Là, j'ai fait fondre 10 à 12 carrés de chocolat noir. Moi, j'ai utilisé chocolat noir. Vous pouvez utiliser au lait ou comme vous souhaitez. Quand vous sautez carrément cette étape, hein, vous pouvez la napper avec la confiture et vous faites de noix de coco par-dessus ou des cacahuètes ou quand vous souhaitez. Moi, je voulais seulement faire ça pour les enfants. Alors, je vais faire... C'est comme c'est un petit glaçage en fait. Et voilà, après avoir glacé le gâteau, je vais faire une petite décoration au milieu. Moi, je vais utiliser biscuits concassés avec noix de coco. Vous utilisez ce que vous souhaitez. Ça, seulement au milieu. Voilà. Après ça, je vais placer carrément le gâteau au frigo. Dès que le chocolat elle va sécher ou durcir, on va les couper. Alors, je vous dis à tout à l'heure. J'ai récupéré mon gâteau du frigo et là, je vais commencer à couper. Voilà, avec un gros couteau pareil.
pouvez choisir l'épaisseur que vous voulez. Alors, moi, je vais faire comme ça. Regardez-moi ça. Ils sont très très beaux. Je vais finir de les couper et je reviens. Et voilà le résultat final de mon gâteau. Regardez-moi ça. Sincèrement, c'est très très beau. Un gâteau présentable et très beau à table. N'hésitez pas à l'essayer. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Gros bisous.